La bande dessinée rose de la psychanalyse. Avec ma valise de questionnement, j'ai glissé un pied dans un cartel dont le chef est attribué du nom Le Plus 1. Une façon particulière de voir le monde m'a alors été dévoilée. L'autre y prend une place très importante. Il a le pouvoir de te désigner et si tu le vois, tu te vois. Mais attention, si tu te vois de trop près, jusqu'au plus profond du réel de ton âme, peut être prisonnier de ce regard à tout jamais. Et tout sera regard. 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 Alors, si tu rencontres sur ta route des petits lacaniens, ils t'accompagneront à trouver des solutions pour adoucir et colorer ton noir. Pour revenir à l'autre, mine de rien, il avait préparé le terrain pour t'aider le jour où le moment de te désigner viendrait. Il t'avait fait couler un bain bien chaud, bien plus délectueux qu'en te le faisant comprendre comme ça. Et oui, les bons moments sont parfois interrompus. Souviens-toi. Tu pensais jouir de ce premier amour toute ta vie, quand soudainement, une catastrophe arriva et une météorite langagière te l'arracha. Tu passeras alors toute ta vie à le rechercher désespérément, pensant naïvement le retrouver par moments. Mais c'est grâce à cette quête sans fin que tu te lèves tous les matins. Et de toute façon, si tu l'avais gardé dans ta poche, ça aurait été beaucoup moins fastoche. Pour conclure, eh bien, je me retrouve avec une deuxième valise, mais surtout avec un deuxième appareil photo. Et ça, c'est une belle trouvaille. Sans fin. Merci à mon cartel d'alléger et rendre vivant ce qui peut sembler ne pas l'être. Annaëlle Gilezo. Bonjour Annaëlle. Bonjour. Vous avez fait une BD de la psychanalyse, une BD rose de la psychanalyse. Oui. Pourquoi cette BD déjà? Alors, c'est par rapport à mon travail en cartel, qui était mon premier cartel. Et c'est vrai qu'il a été demandé de faire un produit de cartel si on s'en sentait l'envie. Et moi, de façon un peu plus classique, je ne me voyais pas trop présenter une vignette clinique. Parce que je ne suis pas forcément à l'aise à l'oral, hein, faut le dire. Et je ne me voyais pas présenter en lisant comme ça autour, avec les autres autour d'une table. Et moi, je suis quelqu'un qui me sert un petit peu des arts plastiques dans mon travail et dans ma vie privée aussi. Et là, je me suis dit, on va faire quelque chose qui te ressemble et où tu vas te sentir à l'aise. Mmh. Et ça m'a permis aussi un petit peu de présenter la psychanalyse comme je la voyais en ce moment, c'est-à-dire où j'en saisis pas tout. Et c'est le petit personnage principal, la petite fille, du coup m'a permis un petit peu de regarder la psychanalyse de façon un peu naïve, comme dans les yeux d'une enfant, pour avoir le droit de justifier des questions un petit peu, on n'en sait pas grand chose. Parce que je trouve que quand on est adulte, la société nous montre qu'on doit plus en savoir en fait. Et donc là, je suis redevenue dans mes yeux d'enfant et j'ai pu comme ça questionner la psychanalyse sous ce regard-là. D'accord. Parce que en cartel, ils vous demandaient du coup de présenter des patients, ce genre de choses, c'est ça? Alors c'est plus présenter notre travail qu'on fait en cartel. Alors soit le texte qu'on étudie sur le moment, ou soit de façon beaucoup plus globale les apports de la psychanalyse. Donc moi j'ai décidé de ne pas forcément m'appuyer sur le texte qu'on avait présenté sur le moment, mais plus ma compréhension, ma jeune compréhension du coup de la psychanalyse à ce moment-là. D'accord, parce que ça faisait vraiment pas longtemps que vous étiez... De façon formelle, non. Ouais. Parce que c'est vrai que moi la psychanalyse, j'en ai pas forcément eu une pratique avant le travail en CESAD. Et c'est vraiment le CESAD qui m'a permis de le mettre en application et de théoriser un petit peu plus ma pratique, qui était beaucoup plus intuitive avant. D'accord. Donc, c'est vraiment la première vraie rencontre, c'est avec le cartel et le travail dans la même année.
Voilà. Donc d'où cette BD, quoi. Ça fait n'importe qui peut la lire et se sentir. Alors j'espère. Après, c'est vrai que je l'ai fait lire à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Mmh. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait une double lecture, comme dans certains dessins animés qui sont des fois un petit peu destinés aux adultes, mais les enfants peuvent en comprendre autre chose. Mmh. Là, c'est un peu pareil, mais certains amis, il y a quand même des clins d'œil énormes à la psychanalyse. Bon, ils n'ont pas saisi, mais ils en ont compris autre chose. D'accord. Et voilà, j'ai trouvé que chacun avait pu en prendre quelque chose et s'en servir quand même, du coup. Et ça leur a quand même parlé. Ils ne sont pas sur le miroir et tout, ils n'ont pas fait un lien avec le stade du miroir. Mmh. Quand je dessine Lacan, je pense qu'ils ne savent pas qui j'ai dessiné. Oui. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et c'est un peu ce que j'ai compris aussi de la psychanalyse, c'est que c'est normal qu'on ne peut pas tout en comprendre. Oui. Et que quand on lit un texte de Lacan, c'est normal qu'on ne comprenne vraiment pas tout. Et ben, ma BD, c'est un petit peu pareil, j'ai l'impression. Voilà, on n'en comprend pas forcément tout, mais... Il y a un côté pour moi voilà, esthétique quand même, et on peut piocher comme ça des petits bouts pour soi. Ouais, bah oui, parce que c'est ça en fait, il y a un décalage entre ce qui vous demande d'avoir un savoir, alors que bah non, vous ne l'avez pas forcément. Et puis après, ça dépend des psychanalystes, mmh, et de la façon de le faire, mais là, moi, dans ce que j'en comprends avec les gens de mon cartel, c'est que le savoir, il vient surtout de la personne, du patient, de l'enfant, de l'adulte qu'on accompagne. Et du coup, voilà, ça minimise un peu ce côté le savoir vient du psychanalyste. Mais ça reste quand même une théorie. Donc c'est vrai que moi j'avais un peu cette ambiguïté de « bah oui, mais on dit qu'on n'a pas de savoir, mais si on apprend une théorie, c'est bien qu'il y en a un petit peu quand même. » Mais c'est toujours avoir ce regard attention, quoi. Il faut vraiment se mettre un peu en dessous du patient pour pouvoir bien le suivre dans son propre chemin. L'accompagner, quoi. L'accompagner au mieux, au plus près. Au plus près, mais sans être trop près. Non, non, mais c'est ce que vous traduisez bien dans la BD, je me souviens, avec cette petite fille qui découvre la psychanalyse et qui a son savoir à elle. Et, oui. Bon, elle fait son propre chemin, oui, quoi. Oui. Comme, surtout avec la conclusion à la fin, oui. Elle a trouvé un autre appareil photo. Oui. Bon, un nouvel, quoi. C'est ça. Alors, l'autre appareil photo, c'est vrai que c'était... Enfin, la deuxième valise. Deuxième valise. Voilà, c'est qu'au début, j'ai une valise pleine de questions. Et après, j'en ressors, j'ai encore plus de questions. Mais c'est pas dans le sens négatif du terme. C'est que je me dis, il y a encore plein de choses à apprendre et à découvrir. Donc c'est pas la valise trop lourde à porter. C'est la valise que si on l'ouvre, elle est riche, il y a plein de choses et c'est magnifique. Et l'appareil photo, c'est dans le sens où faut pas voilà, se cantonner à quelque chose de trop rigide ou de trop particulier et pouvoir avoir une richesse dans sa pratique, en fait. Donc là, c'était vraiment un autre angle de vue, en fait. D'accord. La météorite de l'engagir, qu'est-ce que vous allez me dire par là ? Alors en fait, là je me suis un petit peu appuyée sur un documentaire qui s'appelle « À ciel ouvert », qui présente le travail des Courtils, en fait, qui est une institution qui se base sur une pratique complètement psychanalytique auprès d'enfants psychotiques. Et il y a un intervenant, donc on ne sait pas sa profession, parce qu'en fait, on s'en fiche un peu qu'il soit éducateur, psychologue ou autre. Donc il y a un intervenant qui traduit justement l'arrivée du langage chez l'enfant. Et moi, ça m'a énormément parlé. Et il explique justement voilà, qu'on a cet objet A. Donc moi, je l'ai traduit par le sein maternel, avec le petit téton qui est en forme de A. Et il y a cette météorite qui est le langage, en fait, qui arrive et qui nous fait éjecter, du coup, cet objet A qu'on mettra toute sa vie à chercher quand même à travers voilà, des désirs de notre vie, que ce soit dans le travail, dans l'amour ou autre. Et voilà, c'est vrai que cette traduction de cette personne m'avait énormément parlé. J'avais déjà vu cette image dans ma tête. Je ne savais pas que j'en ferais une BD un jour. Mais ça m'avait très imagé la situation. D'accord. Ah oui, alors par rapport à l'objet petit A, de l'enfant là, qui le perd, c'est plus dans la névrose que le névrosé perd cet objet petit A. Donc il va aller le chercher partout à travers un travail, l'amour de sa vie et tout ça. Après l'objet petit A, donc il y a le regard qui se manifeste, elle devient un peu devenir prisonnière un peu de ça, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, en fait, je voulais parler vraiment de la psychose, où du coup, ils peuvent avoir des sentiments un petit peu de persécution, où j'ai vraiment des... Juste la vignette d'après, excusez-moi. Non, non, non.
ça, du coup, où la petite fille marche dans le parc, où tout devient regard, c'est que tout peut aussi devenir persécution et être sous le regard de l'autre et sous la commande de l'autre, en fait. Et donc, vous voyez, que ce soit les nuages, j'aurais pu même faire des petits cailloux qui regardent, ou des fourmis qui regardent cette petite fille. Parce que dans ma pratique, il y a vraiment des enfants qui ont ce sentiment-là, que tout le monde les regarde, ils sont complètement soumis, en fait, à ce regard. Lui, le psychotique, il le garde dans sa poche. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui vient lui parler, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il veut me prendre mon désir, mon objet petit A, donc moi. Donc, ça emmène un sentiment de persécution. Et c'est pour ça que je dis, bah oui, mais si tu l'avais gardé dans ta poche, ça aurait été encore moins fastoche. Parce que nous, les névrosés, on galère pas mal quand même à essayer de trouver ce qui peut nous contenter, et il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Mais les psychotiques, voilà, ça peut être encore plus compliqué de se sentir comme ça, pris par les autres. Avant de conclure, il y avait quelque chose que vous vouliez dire vraiment sur la BD ? J'ai quand même été contente que la psychanalyse permette ce genre de travail. Et que les cartels et la réunion des cartels prennent ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, ils m'ont dit ouais, c'est super et tout ça, c'est très créatif et tout. Et je trouve ça bien qu'ils autorisent ça, oui. En fait. Du coup. Que et ce soit pas voilà, de très, certaine manière. Voilà, très, très scolaire, très, très théorique. Et l'accueil que ça en a reçu, je trouve ça super. Et je me dis, bon, bah ok, ça confirme que la psychanalyse, c'est pas que des vieux messieurs ou des vieilles madames un peu poussiéreux qui restent à des textes très, très froids et très rigides. Et voilà, je trouvais ça super, leur accueil. D'accord. Bah, c'est super. Merci beaucoup, Anne. Merci.